Ah, que j'ai du feu au-dedans, là. Ah, que je brûle. Ah, que j'ai du feu au-dedans de moi. Ladies and gentlemen, after 1 year, after 2 years, John the Wolf. Le père et Bouddha et Krishna et Zeta dans un même jean et c'est tout son gros sur le cœur. C'est pourquoi le meeting, c'est pourquoi le meeting. En effet, en ce jour de 1000 ans après Christ, force leur est d'avouer leur échec. Les humains sont méchants et la terre est cruelle, et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crachoir des Bouddha, le Bouddha dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent de la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? La laideur chronique. Je pense à cette fille que j'ai vue à Macao, tellement moche et sans talent. À chaque fois qu'elle aimait, son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur. Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur. L'intérieur. Allez hop! Un peu de sincérité. Le monde l'a pleuré. Ce n'est rien disait pas toujours contradictoire. Je connais des obèses incapables de voir un frigidaire sans frémir d'angoisse, sans frémir d'angoisse. Honteux et défaitistes, ils traînent la nuit dans les salles à manger. Le jour rase les murs, ennemis des miroirs. Votre vue est sommaire et tant que Dieu le perd, savez-vous l'existence de ces familles devant lui qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cette maison horrible et cette pelouse affreuse? Et après 20 ans de labeur fou, les enfants les quittent et plus jamais ne les aiment. Et plus jamais ne les aiment. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Je vois pire encore de ce qu'en est Manitou, toujours en retard, répété à mort. Je vois le cortège des artistes de ratés qui cherchent le tube à longueur de journée et se cassent la tête pour cette pauvre fille qui chantait des balades. Ah, cette pauvre fille pas trop belle qui chantait des balades. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Le meeting va montrer sa défoule, tout va bien, les yeux pleurent, tout leur souffle. Sur l'acné, je vais nier les oreilles, décoller le parc, la fontaine, la retraite à 60 ans, l'amour décevant, les toilettes publiques, et les rages dedans, les toilettes publiques, et les rages dedans. Pense à Dieu et Bouddha et Krishna et Zeta, et puis ces deux lèvres sont deux fois pessimistes, et regardent leur santé, regardent leurs pieds, regardent leurs pieds. Mais Dieu le Père, toujours jovial, se ressaisit. J'ai ici, messieurs, dans mon sac un petit cordial, dont vous me direz des nouvelles, et le voilà qui distribue les verres. Bouddha s'illumine, il en a lui aussi, le sac qui coule à plomb. Manitou a du pot, les chivas, du hashish. Zeta se retire. Et on vit dans le ciel, Dieu le Père et Bouddha, Manitou et Krishna, bras dessus, bras dessous, vivre mort et joyeux, chanter à tue-tête au-dessus des nuages. Allez hop! Un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Un peu de sincérité. Un peu de sincérité. Allez là. Un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Allez là. Thank you.
Ah, que je brûle! Ah, que je me dégoûte!